Salut les amis, aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment récupérer ces données de téléphone. Par exemple, on peut avoir très bien un téléphone qui est cassé, mais si l'écran, même si l'écran ne s'allume plus, tant qu'il s'allume, on peut récupérer ces données. Donc je vais vous montrer comment qu'on fait. Allez, c'est parti. Donc voilà. Donc il vous faudra quand même un petit peu de matériel. Rien de bien méchant. Donc, moi j'ai un hub USB. Donc, principal, c'est qu'il y ait une prise USB-C. Donc, il faut absolument une prise USB-C, sinon vous ne pourrez pas. Comme sur les téléphones. Hop, voilà, je vous montre. Voilà, comme ça. Donc, c'est sur les téléphones assez récents. Voilà, un hub USB-C. Un écran. Moi, je l'ai branché en HDMI dessus. Vous pouvez très bien avoir un très vieil écran où vous le branchez en VGA, ça fonctionnera aussi. Un câble USB-C, hop, avec le chargeur que vous branchez sur la prise de courant. Un clavier et une souris que vous branchez en USB sur le hub. Tout simplement. Et là, le hub en USB-C, vous le branchez sur le téléphone. Donc, on allume l'écran tranquillement, le téléphone. Voilà. Donc, moi, comme vous pouvez voir, hop, on ne voit plus rien à l'écran. C'est pas, l'écran est complètement. Voilà, on ne voit plus rien du tout. Mais par contre, l'écran fonctionne. Voilà. Parce qu'on peut le déverrouiller. Et là, on arrive. Voilà. Sur le téléphone. Et la souris est fonctionnelle, comme vous pouvez voir. Et sur le hub aussi, ce qu'on peut faire, c'est mettre une clé USB pour récupérer les données si vous voulez. Voilà les amis. Donc après, on va dans sa galerie. Comme je vous ai montré, hop, là, on met la petite clé USB sur le hub. Et on peut transférer toutes ces données. Donc, dans photos. Voilà, on sélectionne les photos qu'on veut. Voilà, on va en sélectionner plusieurs. Hop. Vous allez dans plus. Hop. Vous faites copier. Hop. On va dans la petite croix en haut. Et on sélectionne. Hop. Donc voilà. Donc, moi, ma carte mémoire, c'est ma clé USB. Hop. Vous faites OK. Et voilà, c'est transféré. Donc, c'est vrai que ça marche vraiment très 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 bien. Pour récupérer, c'est vraiment le top. Après, voilà, il faut un petit peu de matériel. Voilà, vous voyez, avec la souris, ça fonctionne extrêmement bien et ça permet de récupérer surtout ces photos. Donc, c'est quand même vraiment très très pratique. Et ce qui est bien, voilà, c'est comme l'écran tactile fonctionne encore. Voilà, on peut quand même s'en servir. Voilà, et ça nous permet, voilà, de retourner au menu. Et comme le téléphone, le tactile fonctionne encore, donc voilà, on peut retourner. Par exemple, on peut sauvegarder ses messages. Voilà, ou si on a des documents dedans. Donc voilà, ça permet quand même, ça peut nous sauver la vie au niveau du téléphone. C'est vrai que maintenant, ça arrive assez souvent qu'on les fasse tomber et qu'on les casse. Donc voilà, les amis, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Voilà, vous aura aidé aussi. Donc, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre un pouce bleu, à vous abonner. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!